Les coloris sont vraiment magnifiques. Donc, n'hésitez pas à les proposer à vos enfants. Ils vont kiffer, c'est sûr. Ils vont adorer ce type d'activité, surtout quand il pleut. Ça vous permet de les occuper en intérieur sans qu'ils vous retournent absolument toute votre maison. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas. Le coloriage, c'est l'activité qu'ils vont adorer. En deuxième, je vous ai mis... Ah, oui, bien sûr. Je vous ai mis faire de la pâtisserie avec les enfants. C'est une super activité pour eux. Ils adorent faire ça. Jusque-là, j'en ai trouvé aucun qui n'aimait pas faire ça. Alors, on n'avait pas besoin d'être un grand pâtissier de génie. Un simple gâteau au yaourt, c'est accessible à un enfant de 3 ans. Donc, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Et honnêtement, faire de la pâtisserie avec ses enfants, c'est vraiment un moment super sympa. Vous êtes entre vous, c'est quelque chose de convivial, un peu cocooning, je dirais même. Vous êtes tous ensemble autour d'un seul et même projet. Et honnêtement, c'est top. Nous, on le fait fréquemment avec Lilou, Alan et Alix. C'est des activités qu'ils adorent. Alan en particulier. Oui, je vous l'ai dit, la cuisine, c'est son truc. Il adore. Mais les filles aiment tout autant. Et Lilou également. Elle a beau être grande, faire de la pâtisserie avec tout le monde. C'est vraiment un moment super particulier, super sympa. Donc, n'hésitez pas à investir votre cuisine avec les enfants. Vous le ferez nettoyer avec vous ensuite, parce que vous allez en retrouver partout. En tout cas, moi, ils m'en mettent partout à chaque fois. Mais au moins, vous allez passer un super bon moment et ça va les occuper quelques heures sur une activité plutôt cool. Alors, on n'hésite pas et on se met à la pâtisserie. En plus, ça vous permet de tester de nouvelles recettes et c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas, faites de la pâtisserie avec les enfants et c'est un super moment garanti. En troisième choix, je vous propose également une autre activité que je pense on ne fait pas assez souvent. Nous, en tout cas, on ne le fait pas assez souvent et pourtant les enfants adorent. Les jeux de société, c'est une super activité quand il pleut. Ça vous permet d'être ensemble en intérieur sur une activité qui ne va pas vous gonfler au bout de 30 secondes. Le jeu de société, vous allez les tenir en haleine sur une plus longue période. Et du coup, c'est vraiment sympa. Notre préféré, le Trivial Pursuit Disney. Il est accessible à tous et honnêtement, on rigole bien. C'est un super jeu, mais il en existe des milliers d'autres. Vous n'avez qu'à choisir en fonction de l'âge et des goûts de vos enfants. Ça plaît à tout le monde et vous allez passer un bon moment. Donc n'hésitez pas, les jeux de société, ça c'est un vrai plus. En plus, si vous n'êtes pas super emballé à l'idée de jouer avec les enfants au quotidien, le fait de faire un jeu de société, vos enfants vont prendre ça comme un jeu qu'ils vont faire avec vous et où ça sera beaucoup moins pénible que de devoir jouer à la poupée ou à la Barbie ou aux petites voitures. Vous voyez un peu le truc? C'est le vrai plus. Donc les jeux de société, on valide. Et croyez-moi, c'est une super activité également. Ensuite, oui, alors là, celle-ci va faire polémique, je le sais. Alors d'emblée, je vous le dis, chacun fait comme il veut. Nous, en tout cas, on adore. Et oui, en quatrième choix, je vous propose comme activité, quand il pleut, de regarder un film d'animation avec les enfants. Alors oui, c'est un écran. Perso, je ne suis pas zéro écran. Voilà, les écrans, on y travaille, on les aime, on est des cinéphiles. Donc on aime les films également, tous les types de films. Donc oui, nos enfants regardent également la télé. Tout est une question de dosage et que ça ne soit pas excessif. Ça s'arrête là. Alors, évitez de polémiquer en commentaire. Toute critique à ce sujet, je zapperai le commentaire. Je vous le dis net, c'est fatigant à la longue. Chacun fait comme il veut. En tout cas, nous, c'est comme ça. Pour ceux qui sont comme nous, qui ne sont pas anti-film d'animation, sachez que le film d'animation, c'est vraiment un super moment à passer avec eux. Vous pouvez leur faire découvrir différents dessins animés, films ou autres, qui n'ont pas l'habitude de voir. Nous, on adore les Ghibli. On les adore. Et on les a amenés de cette manière. Des moments où tous ensemble, où on choisit le film et ils le regardent avec nous. Et croyez-moi, ça leur fait toujours plaisir de découvrir différents dessins animés en particulier. Et ils vont adorer. Vous avez les Disney, les Ghibli, les Pixar. Vous avez le choix, mais vous avez le choix.
Mais vous avez également les courts-métrages indépendants qui sont... Vous pouvez trouver ça sur YouTube, hein, je n'invente pas. Mais il y a plein de choses à regarder et à découvrir et à leur faire découvrir qu'ils vont adorer. N'hésitez pas également à leur montrer vos dessins animés de votre enfance. Ils vont kiffer. Alan et Alix ont découvert les Tortues Ninja, première version. C'était le dessin animé préféré d'Eric et croyez-moi, ils kiffent. Regardez ça. Ils ont leur moment, mais ils kiffent. Les Ghibli, c'est régulier. On en regarde assez souvent. Il y a plein de choses à découvrir avec eux et honnêtement, c'est un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas. Un petit moment cinéma à la maison, ça leur fait toujours plaisir. Et nous aussi. Voilà. Et enfin, en dernière, là aussi, ça va leur plaire. C'est une activité simple, ludique et qui vont kiffer faire la pâte à modeler. Je ne connais pas un enfant qui n'aime pas jouer à la pâte à modeler. Pour moi, ça n'existe pas. Bon, perso, je suis pas super fan parce qu'après, j'en retrouve partout. Vraiment partout. La dernière fois qu'on a fait la pâte à modeler, j'en ai retrouvé dans les cheveux d'Alix. On était contents. Mais en soi, eux adorent cette activité. Ça leur fait travailler leur motricité fine, mais également leur imagination. Ils s'inventent toute une histoire et tous des personnages avec cette pâte à modeler. On a mangé de tout et n'importe quoi en pâte à modeler, je vous raconte pas. N'hésitez pas à la faire vous-même. Je ne vais pas donner la recette, il y en a des milliers sur Internet. Donc, allez taper recette de pâte à modeler et vous allez pouvoir en faire vous-même. C'est ce qui va encore plus les faire kiffer. Alors, n'hésitez pas, la pâte à modeler, c'est un vrai plus. Ils vont adorer et croyez-moi, vous en avez pour des heures de tranquillité. Des heures. En tout cas, nous, ils en prennent pendant des heures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile à vous également si vous ne savez pas comment occuper vos enfants quand il pleut. Parce qu'on est tous dans ces cas-là et malheureusement, quand il pleut, c'est un cauchemar. Il faut les occuper, il faut trouver les choses qu'ils aiment faire et savoir varier les plaisirs également. Donc j'espère que mes petits conseils vous auront été utiles. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous lire. Et ça, le fait de partager ces bonnes astuces, c'est toujours un plus pour les autres parents qui, eux, galèrent parfois à les occuper, nos petites têtes blondes. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonnés. Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et surtout, c'est super important. Donc je compte sur vous et sur votre soutien. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!